On m'a posé ce matin la question, est-ce que je suis fier d'être français? Oui, je suis fier d'être français. Oui, je suis content de ça, ouais. Quand je vous vois, je suis content parce que vous avez un regard qui pétille et puis vous êtes en mouvement, quoi. J'aimerais pas que la France ralentisse trop, quoi. Donc c'est un peu... Par moments, je suis triste, mais encore une fois, quand je vous vois, je suis content. L'insouciance, l'Europe, la culture, là-bas, loin. Pour nous, la culture était là-bas. Il fallait aller en Europe. Moi, j'aime l'amour, moi, j'aime pas la haine, quoi. Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux. Je vais vous dire la vérité, moi, votre religion ne m'intéresse pas et votre bulletin de vote ne m'intéresse pas. Donc, je crois que tout est dit, là. Moi, je voulais m'envoler, je voulais vivre ma vie, quoi. Je voulais m'en aller, je voulais être d'autre que moi. Je crois que c'est d'autre que moi. Vous étiez un enfant turbulent ? Oui, j'arrêtais pas. De renverser des choses, de courir, de déchirer les vêtements, de péter les lèvres, de péter partout. J'arrêtais pas. J'ai beaucoup aimé mon père. Hein. Ne va pas en prison. On m'a dit ça quand je suis parti au cimetière. Pour un Andalou, un vieil Andalou, ça veut dire ne salue pas mon nom. Ça veut dire porte-toi bien, quoi. Tiens-toi bien. Le vieil Andalou, il savait quand me parler, quoi. Il voulait que je sois quelque chose de sérieux. Et là, j'ai 12 ans et on monte les précieuses ridicules. Et je découvre la loge des femmes, les odeurs, le bruit des robes. Et tout ça, c'est moi. Et tout est permis. Tout ce que tu fais, en plus, plaît. Nettoyeur. Set me free.